direct de Chicago, la radio de la communauté. Moi, c'est Jean Louis. Vous nous écoutez Congo Live 11 sur www.congolive11.com. Ça continue la série d'émissions sur le professeur Pascal Lissouba. Hommage au professeur Pascal Lissouba. Nous serons donc à la troisième émission depuis que nous avons commencé à faire l'évocation de la mémoire de cet illustre homme. Le président Pascal Lissouba nous a quittés il y a 3 jours, exactement 13h40 à Chicago en direct du studio central. Mais nous sommes bien sûr la radio en direct. La radio en direct est sur notre chaîne YouTube. Hommage au professeur Pascal Lissouba, ancien président de la République du Congo qui nous a quittés il y a 3 jours. Les Congolais continuent de rendre hommage au président Lissouba à travers des messages, des vidéos que Radio Congo Live en Chicago, la radio de la communauté, vous diffuse en continu sur YouTube, sur Facebook et sur des vidéos sur toutes nos plateformes. Allez sur notre page, la radio en direct, et vous aurez ces vidéos que nous vous proposons toute la journée sur la vie et l'œuvre de Pascal Lissouba. Aujourd'hui, nous vous présentons une fois de plus cette émission sur la vie et l'œuvre de Pascal Lissouba pour votre plaisir. Alors, vous pouvez nous appeler, téléphoner à la radio pour suivre en direct, donc pour dire en direct ce que vous retenez de l'image de cet homme illustre dont le rayonnement scientifique et politique aura marqué l'histoire du Congo. Pascal Lissouba, hommage ici à la radio, en direct Jean Lewis, depuis le studio central. Les rendez-vous de la radio de la communauté, nous avons la parole de la communauté, le journal de la communauté, notamment invité du journal de la communauté, mais aussi ce grand rendez-vous que vous aimez bien, les amis de la rédaction. Venez donc participer à ces émissions en audio, par écrit, au journal de la communauté, le journal des amis de la rédaction. Il suffit simplement d'écrire à Jean Lewis sur Messenger ou sur WhatsApp. Venez participer dans la discipline. Bien sûr, attention, nous ne voulons pas du désordre. Hein. Alors, nos émissions sont suivies, par des autorités ici aux USA et ailleurs dans le monde. Alors, vous devez faire preuve de responsabilité. Quand vous passez à l'antenne, vous savez que nos émissions ne sont pas enregistrées, elles le sont live. Donc, nous diffusons instantanément dans le monde entier sur la fréquence magique de Facebook, de YouTube, mais aussi de l'antenne de la radio. La radio de la communauté, c'est ici le lieu sans monotonie. Avec plaisir.
chers amis, nous allons ouvrir la série de ces messages de condoléances avec un message d'un ami, Moani Sengui Poutou, qui lui adresse ses condoléances en ces termes. Vous avez, je m'incline devant la mémoire de l'immense professeur Pascal Lissouba, un homme plus souvent mal compris que mal intentionné. Le professeur président nous laisse entre autres souvenirs celui d'un lit. And I will say you're wrong to even try. Gone like it, I'll be aware of days that pass me by. Keeping the strain in the days that remain, I'll be breaking to pieces inside. Silent spaces will keep me alive. Cautious now, I step somehow to where I know I'll be. When I've grown into the life that somewhere waits for me. Slipping away at the end. Summer ends, still we depend on what we thought was free. The understanding comes too late, it's left a hole in me. The lessons we learn when the house starts to burn and bits of us float in the sky. Still keep me alive. Voilà notre ami Dimitri Poa qui est donc connecté sur cette antenne. Salut à toi Dimitri, en direct du studio central. Il est exactement 13h49 à Chicago. Aujourd'hui nous sommes donc au studio, comme vous le constatez, live au studio central, à la radio. C'est ainsi que vous ne me verriez pas. Hein. Vous ne verriez pas mon visage. Alors, vous pouvez simultanément nous écouter sur YouTube et sur Facebook, la radio en direct. Donc cette page est consacrée essentiellement à la radio. Alors si vous avez un message, vous pouvez le faire par écrit, je le lirai, ou encore par audio. Je reviendrai sur le message de notre ami Poutou qui certainement n'a pas été entendu puisque nous avions quelques problèmes au niveau du live ici. Alors vous savez que la connexion elle est très magique ici, hein. Il faut passer du studio par un software pour arriver à Facebook et YouTube. Alors nous allons continuer à attendre donc ces messages et à lire les messages qui sont déjà disponibles sur le net. Je vous souvenez que il y a 2 ou 3 jours, j'ai commencé à faire cette évocation avec les meilleures vidéos que nous avons sur le net. Donc des amis qui ont fait de très belles interventions et qui ont été diffusées sur cette antenne. Pascal Lissouba n'est plus évocation, donc on pleure le professeur Pascal Lissouba. Il aura laissé une œuvre intellectuelle immense et qui va inspirer les générations futures.
Alors, nous allons maintenant parler du testament de Pascal Lissouba. Alors, j'ai reçu beaucoup de messages dans lesquels on nous parle de ce testament, certainement écrit ou qui vient de Pascal Lissouba lui-même, testament reçu des amis sur Facebook. Alors, voilà ce que nous dit ce testament. Moi, Lissouba, mort tant que Sassou Nguesso sera au pouvoir, jamais, je dis bien jamais, vous n'enverrez mon corps au pays. Il appartiendra aux Congolais de m'offrir en temps utile des funérailles qu'ils jugeront dignes du fils, du frère et d'homme d'État que je fus, à personne d'autre. Pascal Lissouba. Voilà, on précise aussi que ce testament, le président Lissouba l'a délivré à son domicile de la rue Miolis à Paris en présence de son épouse Jocelyne, de monsieur et madame Yombi accompagnés de leur fils Jean-Jacques, du représentant en France du RDD de Laurentine Bakienga et de moi-même, donc celui qui a écrit ceci, de moi-même Mouboma chéri. Voilà, on dit, vous le constatez aussi bien que moi, que il a donc souhaité être inhumé sur place là-bas en France, et ses obsèques, on le rapporte, auront lieu dans quelques jours. La radio de la communauté, la suite dans quelques instants. Sir Pascal Lissouba, ancien président de la République du Congo qui nous a quittés il y a 3 jours. Les Congolais continuent de rendre hommage au président Lissouba à travers des messages, des vidéos que Radio Congo Live en Chicago, la radio de la communauté, vous diffuse en continu sur YouTube, sur Facebook et sur des vidéos sur toutes nos plateformes. Allez sur notre page, la radio en direct, et vous aurez ces vidéos que nous vous proposons toute la journée sur la vie et l'œuvre de Pascal Lissouba. Aujourd'hui, nous vous présentons une fois de plus cette émission sur la vie et l'œuvre de Pascal Lissouba pour votre plaisir. Alors, vous pouvez nous appeler, téléphoner à la radio pour suivre en direct, donc pour dire en direct ce que vous retenez de l'image de cet homme illustre dont le rayonnement scientifique et politique aura marqué l'histoire du Congo. Pascal Lissouba, hommage ici à la radio, en direct d'In Lewis, depuis le studio central. La radio de la communauté, hommage au président Pascal Lissouba. Nous avons un message de notre ami Henri Blaise Nzonza, hommage au professeur Pascal Lissouba. Voilà, c'est donc Monsieur Nzonza qui écrit. C'est avec une grande émotion que nous avons appris le décès hier à Perpignan, en France, du professeur Pascal Lissouba, ancien président de la République. Voilà, attendez un instant. De 1992 à 1997. Bien que cette nouvelle nous afflige, nous ne pouvons jamais dire au revoir à un homme qui a marqué l'histoire de notre pays par une expertise reconnue dans plusieurs domaines, mais aussi par son amour affiché pour notre cher beau pays, le Congo. À sa famille biologique et au premier secrétaire de l'UPADS, nous adressons nos sincères condoléances et l'expression de notre profonde sympathie en ce moment de deuil. Puis son âme repose en paix. Voilà, c'est une note qui m'a été envoyée par notre ami Henri Blaise Nzonza, hommage au professeur Pascal Lissouba.
Aussi, si vous avez des notes sur dommage pour la famille Lissouba, eh bien, vous pouvez envoyer ces notes à Lewis. Faites-moi un message ou vous m'appelez directement au 312-450-1088. Je m'appelle directement au 312-450-1088 sur WhatsApp, bien sûr, ou sur Messenger pour diffuser en audio, bien sûr, votre message à la famille du président Pascal Lissouba et à sa famille politique. Bien. De la communauté, nous avons la parole, la communauté,
le journal La Communauté, notamment invité du journal La Communauté, mais aussi ce grand rendez-vous que vous aimez bien, les amis de la rédaction. Venez donc participer à ces émissions en audio, par écrit, au journal La Communauté, le journal des amis de la rédaction. Il suffit simplement d'écrire à Jean Lewis sur Messenger ou sur WhatsApp. Venez participer dans la discipline, bien sûr. Attention, nous ne voulons pas du désordre. Hein. Alors, nos émissions sont suivies par des autorités ici aux USA et ailleurs dans le monde. Alors, vous devez faire preuve de... Eh oui, chers amis, vous devez désormais savoir comment organiser votre week-end, le rendre... Avec une note de M. Wabari Mariotti, qui donc nous a envoyé, a publié une note relative au décès du président Pascal Lissouba. Je vous signale que Wabari Mariotti était ministre de la Justice du président Pascal Lissouba. Alors, c'est une longue note, je vais simplement lire quelques extraits. Alors, voilà ce qu'il dit. Pascal Lissouba, un nom illustre, nous a quittés. Nous pleurons sa perte. Le président Pascal Lissouba s'en est allé à 88 ans, ce 24 août 2020, à Perpignan, dans le sud de la France, des suites d'une longue maladie. En raison de sa haute stature, de son vivant, et pour avoir été son garde des Sceaux, ministre de la Justice, voilà, j'ai quelques problèmes ici de... Donc à tous ceux qui sont connectés, que nous sommes bien sûr au studio central où il est 14h04 à Chicago, nous faisons l'évocation de la mémoire du professeur Pascal Lissouba. Alors si vous avez une intuition, vous avez un mot, vous pouvez toujours l'envoyer à Jean Lewis, je le lirai avec plaisir. Nous étions en train de lire la note de M. Mariotti, je crois que je reviendrai là-dessus, le temps de saluer. Tous les auditeurs qui aiment bien la radio, la communauté, les amis de la rédaction comme Charles Alexandre, très actif ici à la radio, Charles Alexandre, et bientôt vous aurez d'autres dames qui vont nous rejoindre. Donc vous verrez que le plateau de la radio, la communauté ne fait que s'élargir avec des nouveaux qui arrivent pour apporter un plus à la radio. Encore une fois, toutes nos condoléances à la famille du président Pascal Lissouba. Chers amis, vous devez désormais savoir comment organiser votre week-end, le rendre agréable. Vous pouvez rester chez vous, lire ou suivre la radio, suivre les shows de Jean Lewis. Hein. Vous pouvez également écouter de la musique, mais attention, c'est toujours mieux de vous informer sur la situation de votre pays, notamment sur le retour
à la démocratie au Congo-Brazzaville. Vous pouvez également vous informer sur l'Afrique centrale, car la vocation de la radio de la communauté, c'est d'être une radio panafricaine. Vous avez dû le constater, nous avons des correspondants un peu partout. Cet élan va se poursuivre avec d'autres pays d'Afrique centrale. Alors, hommage au professeur Pascal Lissouba, ancien président de la République du Congo qui nous a quittés il y a 3 jours. Les Congolais continuent de rendre hommage au président Lissouba à travers des messages, des vidéos que Radio Congo Live en Chicago, la radio de la communauté, vous diffuse en continu sur YouTube, sur Facebook et sur des vidéos sur toutes nos plateformes. Allez sur notre page. La suite de cette édition, cette émission spéciale consacrée à l'hommage au président Pascal Lissouba, donc, qui nous a quittés le 24 dernier. Alors, nous avons les échos du Congo au Brazzaville. Alors, il s'agit, je crois, de notre ami Jean-Jacques Jarel Sika, que vous connaissez, qui a déjà participé à quelques émissions ici, à quelques tribunes à la radio. Jean-Jacques Jarel Sika, qui publie le témoignage de M. Tony Mabongo, qui a connu le professeur Pascal Lissouba. Et vous avez donc ce témoignage de M. Tony Mabongo. Voilà ce qu'il dit à propos de ses rapports ou de... avec le professeur Pascal, sa rencontre avec le professeur Pascal Lissouba, Tony Mabongo. Je suis rentré à la présidence presque par effraction, ni politique ni militaire, personne ne m'y attendait. Le tout premier directeur de cabinet, Martial Ikunga, du professeur Pascal Lissouba, se plaignait auprès du président élu du fait que j'occupais un bureau sans autorisation à la présidence. 4 semaines plus tard, je fus envoyé punitivement à Johannesburg pour une formation en protection. À la surprise générale, je survécus comme si cela n'avait pas suffi. Me voici au cœur d'une autre formation broyeuse de physique et de talent. Ici encore, je majore aux côtés de 2 autres militaires congolais. C'est ainsi que mes formateurs m'imposèrent auprès du nouveau président élu pour gérer tous les aspects de protection rapprochés. Là, nous sommes donc en train de vous lire le témoignage de Tony Mabongo, et qui a connu le président Pascal Lissouba, qui a travaillé bien sûr à la présidence de la République. Tony Mabongo, la suite dans cet article du journal Les Échos du Congo Brazzaville. Il faut dire que le président Pascal Lissouba n'est pas un principal facile à protéger. Traumatisé par des arrestations brutales et des emprisonnements ferme, le président Lissouba avait de rapports très congelés avec le monde sécuritaire ou militaire. Mes hommes et moi devrions nous imposer techniquement et intellectuellement chaque jour. Donc il s'agit de Tony Mabongo qui continue. Médusé avec l'étendue de son savoir, je retiens une chose. Sa connaissance et son amour profond et sincère pour notre pays. Sa vision pour notre pays se lit dans les vocables tels « chacun aura sa part ». Croyant en notre potentiel humain, il disait, nous pouvons faire de notre pays une petite Suisse. Tony Mabongo, la suite dans quelques instants. Voilà un témoignage, donc une note de notre ami, de nos amis des Échos du Congo Brazzaville. Il est parti, donc suivant c'est M. Tony, il est parti. Je suis doublement sous le choc. L'incompris a tout essayé, à l'amour prochain, profond qu'il avait pour son pays, lui ont été imposés. De points, destruction de ses travaux agricoles, effondrement des entreprises érigées sous son autorité, arrestation, emprisonnement, guerre, humiliation diverses. Nous perdons un être, un esprit, un gisement, une fierté. La vérité, c'est qu'à ses côtés, j'ai intellectuellement tout gagné. Je ne suis plus qu'un vulgaire enseignant. Je ne suis plus qu'un simple professionnel de la communication. Ma connaissance de notre pays profond est notoire. Le militaire, la politique et les politiques de chez nous ne me paraissent plus lointains.
J'ai compris l'homme et ses idées. Voilà, c'était une note de notre ami Jacques Jarel Le Sica des Échos du Congo-Brazzaville. Note sur notre ami Tony Mabongo qui a travaillé avec le professeur Pascal Lissouba et qui nous rapporte ici un témoignage. La suite dans quelques instants. Ces vidéos que nous vous proposons toute la journée sur la vie et l'œuvre de Pascal Lissouba. Aujourd'hui, nous vous présentons une fois de plus cette émission sur la vie et l'œuvre de Pascal Lissouba pour votre plaisir. Alors, vous pouvez nous appeler, téléphoner à la radio pour suivre en direct, donc pour dire en direct ce que vous retenez de l'image de cet homme illustre dont le rayonnement scientifique et politique aura marqué l'histoire du Congo. Pascal Lissouba, hommage ici à la radio, en direct Jean Lewis, depuis le studio 100.
3 jours de cela, dont les obsèques ont lieu en France. Moi, c'est Dinois en direct de Brazzaville. Nous avons Chris Dangui. Alors, Chris Dangui, vous êtes donc là. Alors, Chris. Voilà, salut donc à toi, Chris. Salut la radio de la communauté. Alors, vos notes de condoléances à la fin de Chris. Ouais, quelques remarques sur l'œuvre. Résistant parle du professeur Pascal Lissouba. Je vous rappelle que ce n'est pas un enregistrement, mais qui se dit là, il est 14h19 à Chicago. Vous écoutez sur la radio en direct sur YouTube. Allez-y, Chris. Merci, monsieur Dean Lewis. Je suis quelque part triste non seulement d'apprendre la nouvelle de la disparition du professeur Pascal Lissouba, et de surtout en exil. Ce qui m'intrigue de plus, c'est en exil. En avant, j'aimerais d'abord souhaiter mes condoléances à la famille du professeur Pascal Lissouba, et également à tous ses proches, et aussi au peuple congolais, parce qu'aujourd'hui, c'est un calibre qui vient de nous quitter. Une tête qui vient de partir, une bibliothèque qui vient de se brûler, de se volatiser comme ça, sans pourtant léguer, ne fût-ce que faire un partage de connaissances aux futures générations du Congo Brazzaville. Donc, c'est triste pour nous, c'est triste d'apprendre cette nouvelle. Voilà. Alors, s'agissant de l'œuvre du professeur Pascal Lissouba, je crois que vous l'avez connu, Chris Dangui, à la Conférence nationale souveraine. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'œuvre du professeur Pascal Lissouba? Qu'est-ce qui vous aura marqué et qui continuera de marquer les jeunes actuels? Bon, déjà lors de la Conférence nationale, j'étais encore enfant. Et non seulement étant jeune, étant activiste, étant leader d'opinion, je fouine toujours dans l'historique de mon pays. Et je dirais, ce que je retiens du professeur Pascal Lissouba, c'est une personne qui un idéologiste. C'est une personne, un homme rempli de convictions. Et je dirais un premier ministre qui a eu un bilan avec Masson Madeba. Et également à Monsieur Carré qui savait dire oui et qui savait aussi dire non. Donc c'est ce que je retiens de ce grand homme, cet homme d'État qui est parti. On avait bel et bien besoin d'avoir sa connaissance, mais malheureusement l'abus du pouvoir du Congo Brazzaville, de nos aînés, qui ont fait qu'aujourd'hui, ce dernier se retrouvait en exil. C'est voilà. Voilà, merci Chris. Mais Chris. Voilà. Allô Chris? Oui, je vous suis. Chris, est-ce que les dispositions protocolaires ou pratiques là-bas à Brazzaville, est-ce que. On a constaté que le drapeau congolais, par exemple, est en berne. Qu'est-ce qui se passe exactement sur le terrain? Votre micro-baladeur, est-ce que vous avez constaté qu'on en parle dans la rue? Est-ce qu'il y a des veillées prévues dans les milieux de l'UPADS et de l'opposition? Votre constat sur l'impact que cette nouvelle a eu ou a sur la vie au quotidien à Brazzaville, Chris Dangui? Ici à Brazzaville, je dirais déjà dès lors que je vois certains commentaires de mes compatriotes qui, quelque part, me remontent. Parce qu'il y a certains compatriotes qui racontent n'importe quoi, des ragots sur les réseaux sociaux, sur la personne du professeur Pascal Lissouba. Mais je dirais qu'ici, à Brazzaville, je dis que je ne sens pas le sentiment de cette grande perte de cette bibliothèque qui vient de se... Je ne sens pas, parce que normalement, le drapeau congolais devait descendre, parce que c'est un deuil national,
Nous avons perdu des présidents dans des conditions tristes, et toujours ces genres de conditions-là. Massamba Déba, Yombi en exil, à l'étranger. Aujourd'hui, le professeur, commençons par Youlou, Massamba Déba, et c'est toujours dans les conditions tristes que nous perdons nos hommes d'État. Et je pense que ben, c'est ici actuellement à Brazzaville, je trouve que c'est comme si c'est un non-événement pour ceux qui sont au pouvoir. Mais bon, de l'autre côté du Padès, bon, ben, ils ont eu à installer une tente bon, en mémoire du professeur, mais je ne pense pas. Sa mémoire devait être respectée dès lors que M. Tchatima Biala devait mieux faire le travail, mais je ne pense pas que sa mémoire est vraiment respectée. Voilà, nous avons donc nous avions depuis Brazza notre ami Chris Tanguy. Chris, avez-vous un détail à ajouter avant de partir? C'est la tristesse, une désolation, je dirais une désolation, une grande perte, je dirais une grande perte pour notre pays, parce que le professeur Pascal Issouba part avec tout ce qu'il a dans sa tête, avec tout ce qu'il a appris. Et donc, je dirais, c'est une catastrophe pour le Congo, c'est une catastrophe pour le Congo. Et donc, je suis vraiment en deuil, je suis ému. Bon, c'est des hommes que normalement que nous devons côtoyer à tout moment pour avoir de la matière. Mais aujourd'hui, ce sont des hommes qui sont. Il est parti comme ça avec toute sa tête. Il est parti avec toute cette bibliothèque. C'est triste pour le Congo. Ça remonte, ça remonte, ça. Voilà, c'est écœuré. Voilà, je suis écœuré de cette perte-là, vraiment. Voilà. C'est tout ce que je peux ajouter concernant. Ben, je dis que son âme repose en paix, que son âme repose en paix. Cet homme, un démocrate, étant que président de l'ère démocratique de notre pays, que son âme repose en paix, que son âme repose en paix. C'est Voilà. tout ce que je peux dire. Voilà donc, merci à vous, Chris Donghi. Merci, c'était donc Chris Donghi depuis Brazzaville. Merci et bonne journée à vous. Voilà, bonne journée à vous, Chris Donghi. Nous sommes au studio central, bien sûr. C'était une réaction de notre ami Chris Donghi. Vous aussi, si vous avez des impulsions sur la vie ou leur vie, sur Pascal Issouba, car il nous reste 30 minutes, 30 secondes. On pourra passer ensemble. Nous sommes, je vous rappelle, aussi bien connectés sur YouTube. Avec la radio en direct et YouTube. Alors, si vous avez des intuitions sur la vie et l'œuvre de Pascal Issouba, bien sur Messenger, je vous avec plaisir, je prendrai votre appel.
radio de la communauté. Salut à donc à vous, Albert Lombo. Albert Lombo, j'espère que vous allez nous appeler pour un témoignage sur la vie et l'œuvre du professeur Pascal Lissouba. Ça continue donc animation ici live sur la radio de la communauté, 14h28 minutes à Chicago. Nous émettons sur Facebook et sur YouTube. Cette note du garde, l'ancien garde des Sceaux de Pascal Lissouba, monsieur Wabari Mariotti, vous savez qu'il écrit beaucoup et j'ai toujours une très belle admiration pour sa plume. Hein, il écrit bien. Voilà, il est l'un des hommes politiques qui écrivent régulièrement et bien. Wabari Mariotti, Pascal Lissouba, un nom illustre, nous a quittés. Nous pleurons sa perte. Le président Lissouba s'en est allé. À 88 ans, ce 24 août 2020, à Perpignan, dans le sud de la France, des suites d'une longue maladie. En raison de sa haute stature, de son vivant, et pour avoir été son garde des Sceaux, ministre de la Justice, je joins ici ma prière à l'édifice dressé en sa mémoire. S'il est vrai que le couronnement de toute une vie humaine est le souvenir qu'elle laisse derrière elle, celle du président Pascal Lissouba est l'un. Est d'un lustre des plus enviables. L'annonce de son décès a libéré un flot d'emballement dans les milieux universitaires, politiques et d'hommes de science où son capital scientifique force l'admiration. De multiples voix au Congo, en Afrique et ailleurs dans le monde en diront beaucoup de ce qu'il a été. Pascal Lissouba, c'était à l'évidence un grand homme. D'esprit vif et lumineux, tenant à la fois du scientifique et du politique. Au terme de brillantes études secondaires puis supérieures, Pascal Lissouba devient, au fil de son cursus, ingénieur agricole, généticien, chercheur, maître de conférences. Sa passion pour la science ne lui suffisait pas. Il s'éprenait parallèlement de la politique. Aussi est-il nommé chef de gouvernement et plusieurs fois ministre dans son pays, le Congo, où il assure, avant la fin de sa vie, les hautes fonctions de président de la République. À tous ces postes, travailleur acharné, rigoureux, perfectionniste, ne s'oubliant jamais, sachant profiter de ses moments de liberté. Les années à la tête du Congo, le président Pascal Lissouba sera dévoué sans compter, aimant le travail bien fait. Toute œuvre utile pour le pays, quelle qu'elle soit sa nature, devrait pour lui être accomplie avec efficacité. Et sa pugnacité toujours souriante et détendue pour obtenir des membres du gouvernement. Lors des conseils des ministres, une accélération de leurs activités,
m'impressionnait. Alors c'est toujours Ouabari qui parle. Donc nous sommes rejoints à la communauté, non, non, à l'évocation de la mémoire de Pascal Lissouba et nous sommes là en train d'écouter notre ami Ouabari Mariotti, excusez-moi, qui a fait une très belle et longue note sur la vie et l'œuvre du professeur Pascal Lissouba. Le président Pascal Lissouba était digne d'estime sur tous les terrains. Il n'a connu que la fidélité, fidélité à sa vocation de scientifique, d'éducateur, de chercheur, fidélité à sa patrie, aux valeurs humaines. C'est à l'UNESCO, jusqu'à sa retraite, qu'il sut développer une activité en tout point remarquable et féconde. Il en est de même plusieurs années auparavant, lors de son passage à la faculté des sciences du Centre d'enseignement supérieur de Brazzaville, ainsi que l'attestation, que la thèse, excusez-moi, les témoignages de ses anciens étudiants. On conçoit la faveur dont jouissait Pascal Lissouba auprès des étudiants. Ils étaient sensibles non seulement au talent et au savoir de leur professeur, mais aussi à l'urbanité de son accueil et des qualités de son enseignement. Dans quelques instants, la suite de cette note de Wabari Mariotti. Avec Dean Lewis, bien sûr, nous sommes au studio central. Il est exactement 14h34 minutes à Chicago. Dans quelques 20 minutes, ce sera la fin de cette édition. Je rappelle que je suis en studio, je ne suis pas au journal de la communauté habituel avec caméra, mais je suis à la radio. Sur cette longue note de Monsieur Ouabari Mariotti, qui a connu le professeur Pascal Lissouba, dont il était le garde des Sceaux, le ministre donc de la Justice de Pascal Lissouba. Le lancement de l'implication du président Pascal Lissouba dans la vie politique congolaise a été marqué du sceau d'une loyauté sans faille à l'égard du président Alphonse Massamba Déba, chef d'État congolais de l'époque. Son goût pour les batailles difficiles le conduisirent à se présenter au présidentiel de 1992. Il devint alors le président de la République que nous avons tous apprécié pour sa solidarité et sa pugnacité. Aux étapes où j'accompagnais le président Pascal Lissouba lors de la campagne précédant son triomphe à ses présidentielles, il s'attachait à combattre l'esprit de pessimisme et de découragement, rappelant toutes les fois que l'occasion se présentait, la vie glorieuse de ces hommes
qui appartiennent à la lignée des figures qui, par leur combat pour les causes justes, ont illuminé le monde, le contact personnel avec les populations visitées lors de la campagne était pour lui d'une grande richesse. Condamné à mort de manière injuste le 25 mars 1977 pour, dit-on, complicité dans la conspiration qui conduit à la mort du président Marien Ngouabi, Pascal Lissouba a échappé de justesse au peloton d'exécution grâce à la mobilisation de scientifiques français et africains. La peine capitale a été commuée en détention à perpétuité dans le Nord-Congo, où les conditions d'emprisonnement ont altéré sa santé avant d'être libéré pour ensuite regagner la France. Le moral du président Pascal Lissouba, le temps de la détention, était à niveau, qu'il travaillait à maintenir celui de ses compagnons de captivité. Premier ministre à 33 ans, dans les années 65-66, Pascal Lissouba a marqué son temps. Il manifestait l'ambition patriotique de réduire la dépendance de l'économie congolaise vis-à-vis des capitaux étrangers, a élaboré un plan qui prévoyait la nationalisation de plusieurs secteurs de l'économie et le développement d'une industrie d'État. La commercialisation des produits agricoles et le commerce d'importation ont été nationalisés pour donner naissance aux sociétés comme l'ONCPA, l'OCC, l'OFNACOM, l'OCT, toutes éteintes ce jour pour mauvaise gestion. Toujours sous Pascal Lissouba, Premier ministre, les relations bilatérales entre le Congo et les anciennes démocraties populaires, les pays de l'Est, ont permis la création de plusieurs unités industrielles publiques, au compte desquelles une cimenterie, la construction navale, l'usine textile, les manufactures de cahiers et d'allumettes. Parallèlement à son enseignement de génétique au centre d'enseignement supérieur de Brazzaville, Pascal Lissouba a apporté son assistance aux plantations de cacao dans la région de la Sanga et du tabac dans les plateaux. Il a également réalisé des expériences de croisement d'espèces de manguiers à Boko et à Ludima. La suite donc de cette no longue note de M. Mariotti dans quelques instants. Nous nous séparons, chers amis, dans quelques 5 minutes. Ce sera la fin de ce spécial hommage au président Pascal Lissouba. Salut à tous les auditeurs connectés. Je vais regarder mon Facebook s'il n'y a pas de questions ou des contributions écrites sur l'hommage au président Pascal Lissouba. Professeur Pascal Lissouba, ancien président de la République du Congo qui nous a quittés il y a 3 jours. Les Congolais continuent de rendre hommage au président Lissouba à travers des messages, des vidéos que Radio Congo Live en Chicago, la radio de la communauté, vous diffuse en continu sur YouTube, sur Facebook et sur des vidéos sur toutes nos plateformes. Allez sur notre page, la radio en direct, et vous aurez ces vidéos que nous vous proposons toute la journée sur la vie et l'œuvre de Pascal Lissouba. Aujourd'hui, nous vous présentons une fois de plus cette émission sur la vie et l'œuvre de Pascal Lissouba pour votre plaisir. Alors, vous pouvez nous appeler
téléphoner à la radio pour suivre en direct, donc pour dire en direct ce que vous retenez de l'image de cet homme illustre dont le rayonnement scientifique et politique aura marqué l'histoire du Congo. Pascal Lissouba, hommage ici à la radio, en direct Dean Lewis, depuis le studio central. De cette note de notre ami du doyen Wabari Mariotti sur l'œuvre de Pascal Lissouba, très longue note, très belle note, très bien écrite. Chef d'État de 1992 à 1997, Pascal Lissouba a posé des bases d'un développement réel en 5 années de gouvernance difficile. Le gouvernement Lissouba est le seul qui a remboursé 70% de la dette la plus élevée du monde par tête d'habitant. Pascal Lissouba est le président qui aura réussi à négocier dès 1993 de meilleures conditions de revenus pétroliers avec l'adoption en 1994 du nouveau code des hydrocarbures. L'exploitation du pétrole de ce fait désormais au Congo, non plus sous le régime de concession mais dans le cadre du contrat de partage de production. Un nouveau code qui assure à l'État congolais une part à la rente plus consistante qu'avant l'arrivée au pouvoir de Pascal Lissouba. Toutefois, obtenu à l'arraché, le partage de production a sans doute valu au président Pascal Lissouba sa destitution en 1977. Dans un coup d'État contre lui par le camp du président Sassou Nguesso, avec le soutien des armées interventionnistes étrangères. Quoi qu'en dise, ses adversaires, le président Pascal Lissouba était un homme de paix, animé d'une foi profonde. Durant les dernières semaines de sa vie, cette foi a merveilleusement été soutenue par sa famille. Pascal Lissouba voyait en chaque être humain une manifestation de la grandeur et de la création. De sa personne rayonnait une bonté quasi évangélique que rehaussait sa modestie. Tous ceux qui l'ont approché considèrent la bonté et l'humilité comme deux traits dominants de son caractère. Nous, anciens collaborateurs du président Pascal Lissouba, c'est donc Mariotti, hein, pas moi, nous, anciens collaborateurs du président Pascal Lissouba, à divers niveaux, gardons la mémoire de cet homme de cœur, du savoir, de devoir, passionnément attaché à sa mère, patrie, qu'il a honoré de sa renommée internationale. À titre personnel, j'éprouvais quelque fierté à voir l'étranger s'incliner
avec respect devant la stature scientifique du président Pascal Lissouba. Je revois encore, comme si c'était hier, les instants où son ministre de la Justice que je suis, je rencontrais le président Pascal Lissouba dans son bureau de travail au Palais du Peuple à Brazzaville. Je ne réalisais pas qu'un jour j'aurais le triste devoir de lui rendre hommage à sa disparition. En ces moments d'intense douleur, je m'incline devant la mémoire de celui qui fut pour nous le président de la République, démocratiquement élu du Congo. Un président respecté dans le concert des nations, au parcours remarquable, il restera pour nous un exemple. Que la famille du président Pascal Lissouba, particulièrement son épouse, Madame Jocelyne Lissouba, son fils, le député UPADES de Dolisi, Jérémy Lissouba et d'autres proches trouvent ici l'expression de mes condoléances les plus attristées. Aux membres de l'UPADES, parti dont le président Pascal Lissouba a été le prestigieux fondateur en 1991, aux partis et associations qui l'ont soutenu et accompagné durant son mandat, j'exprime ma solidarité active. Reposez en paix, Monsieur le Président. Vous laissez à tous les Congolais et autres citoyens du monde qui ont eu la chance de vous côtoyer tout au long de votre vie le souvenir impérissable d'une figure morale consensuelle et rassurante. Un acteur impartial, intègre, rigoureux, respectueux des valeurs humaines et privilégiant l'essentiel. La suite de cette longue note de Monsieur Mariotti dans quelques instants. Au professeur Pascal Lissouba, ancien président de la République du Congo qui nous a quittés il y a 3 jours. Les Congolais continuent de rendre hommage au président Lissouba à travers des messages, des vidéos que Radio Congo Live en Chicago, la radio de la communauté, vous diffuse en continu sur YouTube, sur Facebook et sur des vidéos sur toutes nos plateformes. Allez sur notre page, la radio en direct, et vous aurez ces vidéos que nous vous proposons toute la journée sur la vie et l'œuvre de Pascal Lissouba. Aujourd'hui, nous vous présentons une fois de plus cette émission sur la vie et l'œuvre de Pascal Lissouba. Pour votre plaisir. Alors, vous pouvez nous appeler, téléphoner à la radio pour suivre en direct, donc pour dire en direct ce que vous retenez de l'image de cet homme illustre dont le rayonnement scientifique et politique aura marqué l'histoire du Congo. Pascal Lissouba, hommage ici à la radio, en direct Jean Lewis, depuis le studio central. La suite de cette note de notre ami doyen Mariotti sur la vie et l'œuvre de Pascal Lissouba, dans quelques instants. Voilà, il écrit: à votre endroit, les éloges abondent comme les témoignages d'affection post-mortem. Même à Etoro, vous êtes pleuré. Etoro, petite localité forestière sur les terres de Gamboma, au nord Congo, où, dès l'indépendance du pays, vous aviez en charge dans un centre d'essai où vous logiez également l'expérimentation technique des espèces agricoles tropicales. Aujourd'hui, le centre s'est écroulé. La nature y a repris ses droits. Mais le temps passe avec lui, les habitants d'Etoro. Le nom de Pascal Lissouba est demeuré un mythe. On en parle sans jamais percevoir l'intéressé. C'est la preuve de ce qui a été votre stature et votre dévouement pour notre pays que vous avez aimé toute votre vie. Voilà, c'était une note dans Paris le 25 août 2020. Wabari Mariotti, membre de l'UPADES. Voilà, c'était une note de Monsieur Wabari. Pour ceux qui n'ont pas connu le président Pascal Lissouba, ils peuvent se faire donc une idée de cette note. Vous avez beaucoup de commentaires des gens qui le remercient. Pascal Batola, merci, monsieur le ministre, puisse son âme reposer en paix. Alors, vous avez des réactions. Ferdinand Ngoto,
Merci, Monsieur le ministre, pour cette reconnaissance. C'est une note fouillée et bien écrite. Vous savez, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour sa plume, Monsieur Ouabari. J'ai essayé de l'inviter. Je ne sais pas s'il sera là au joint de la communauté de la grande édition de 2 heures que nous allons organiser ce samedi pour qu'il nous dise quelques mots sur la vie et l'œuvre du président Pascal Lissouba. Connecté à la radio en direct. Hommage au professeur Pascal Lissouba, ancien président de la République du Congo qui nous a quittés il y a 3 jours. Les Congolais continuent. En vérité, je vous le dis, c'est qui les amis pour la wow 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 wow
si malembe malembe wel wulwe oye mae konika karo para mami amere kente sheri na nina kamingi nina kina mingi fe kamina kia tro nana kasi ya yesu mingi